Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. C'est où? Ladies and gentlemen, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Last of Us. Comme vous voyez, nous avons changé de saison et changé d'endroit. Nous sommes du coup en hiver et on va dire plus ou moins dans les montagnes. Et donc, on va avancer dans cette aventure. Rappelez-vous, la dernière fois, Joël s'était fait donc... il s'était blessé. Et il avait pris en fait une sorte de bout métallique dans l'abdomen. Du coup, ça l'avait perforé. Et donc, avec Ellie, il s'en était échappé de l'université. Maintenant, reste à savoir si Joël est toujours vivant ou pas. On ne sait toujours pas. Mais en tout cas, Ellie, avec son instinct de survivante, nous épatera durant cet épisode. Stay. En vrai de vrai, normalement je l'ai headshot. Hein. Je pense que c'est fait exprès pour que tu puisses tirer plusieurs fois. Donc tu dois tirer plusieurs fois. Bon, normalement je vais plus pouvoir m'approcher, non? Vu qu'il est blessé. Là j'y suis. Là j'y suis plus. Ah, la vie c'est chiant quand ça bouge comme ça. Merde. Non, j'ai pas touché. Je crois pas. Hein. Parce que pour moi j'y étais. Ah, j'ai pris un chemin qui n'est pas relié. Mais là, il est de plus en plus touché, je suis désolée, mais là... T'es encore vivant. Là, tout se sent. Honnêtement. Normalement, il se vide de son sang. Déjà, on est dans la sauce en fait. Donc, je l'avais bien touché, heureusement. Tout va bien. Cet endroit n'est pas glauque du tout. Vu qu'on joue avec Ellie, on n'a pas de matos de Joël. Donc, on a intérêt à. On n'a pas les armes et tout ? Ouais, non. Intérêt à vite. Vite se faire, quoi. Moi je dis on va se faire prendre une embuscade. Je le sens aussi. Qui est là? Montrez-vous. Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Bien.
On pourrait peut-être échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Mais comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Vous aviez une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Ouais, ça commence, hein. Espérons qu'ils le trouvent pas. Ça va être épique. Défends les fenêtres. Ok. J'ai déjà fait ça. Tu plaisantais pas? T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Donne-moi un coup de main. Il fait masse bruit, lui. Allez, allez! Putain. Ah! Pardon. Mais il sert à rien l'autre, il peut pas tuer les claqueurs en premier. C'est... voilà, il reste déjà. Rien par ici. Le claqueur, vise le claqueur, mec! Ok. Tiens, utilise
ça. Wesh. Continue, petit. Wesh, c'est qui m'a tapé? Surveille l'escalier. Je me mets un psy-kit de soin. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va. Du caca. Sors de là. Oh. Ah. Je suis mort, c'est quoi ça? Bon, j'ai vu que je pouvais craft sur ma craft, hein. Oh god. Mais j'ai pas pu tout explorer, je suis sûre qu'il y a des petits trucs à apprendre. Aide-moi. Aide-moi à monter. Hé, hey, venez, soulevez-moi. Oula. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. Je ne vois pas de quoi tu parles, elle a le droit de dire ça. Ouais. Ouais, ouais. Ok, dépêche-toi. Fais attention aux infectés. Je sais. Faut pas que je tombe, hein.
Ah merde, je le pensais pas si proche. Tu vas me dire que c'est pas dans sa tête? Et si on craftait? On peut pas craft. Ok, bon. Là, va falloir aller vite, hein. Et voilà. Oh, je sais pas si t'as vu, il y a des trucs là-bas. Ouais, j'avais vu tout à l'heure, je me suis dit, peut-être ça doit être des boîtes, du coup, c'est pour ça qu'elle a pas pris. Non, j'avais pas vu. Bah ouais, mais c'est moi qui dois y aller en première, évidemment, je vais me faire prendre. Je suis dans la merde. Non, sans blague. Surveille un peu. Ok, grand-père. Comment elle est sortie? À les avoir affrontés ont perdu. Je cherchais justement ces garçons. Peu importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Regarde si tu vois des choses utiles. Tu vois un truc? Comment il s'y retrouvait dans ta vie? Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Prépare-toi! Je crois que j'ai tiré sur ton pote, hein. De ouf. Et qu'est-ce qu'on doit faire en fait? On peut pas se casser? Le claqueur avant. Ouah, ça fait peur. Moi, je suis d'avis qu'on se barre. Ça va être mon appât.
On s'en sortira, petit. J'en suis pas si sûre. Reste concentré, ça va aller. Tu peux me dire comment ils ont réussi à monter ici? Ah bah la courte échelle, hein. Claqueur, claqueur, claqueur. Claqueur, claqueur. Pas trop ce bruit. C'est un colosse. Ah. Oh non, la merde. Aïe, putain, mais espèce de gros connard. Wesh. Le colosse, il est mort. Chez Win. On vérifie, on voit si on a tout. On peut encore prendre des choses, on n'a pas l'air de pouvoir. Là, il y a une petite bouteille, on s'en fiche. Là, encore des bouteilles, on s'en moque. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci.
Tirons-nous d'ici. Allez. Attends, elle a un lapin ? Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir.